l'éternité. Il règne à jamais. Notre héros, le Très-Haut, Jésus, Yeshua, HaMashiach. À toi la gloire. À toi la gloire. Soleil levant jusqu'à son couchant. Personne ne pourra jamais s'égaler à toi. Du soleil levant jusqu'à son couchant, du nord au sud, de l'est à l'ouest, toutes les nations reconnaîtront que tu es le roi, digne de gloire et de louange. La nature, les anges reconnaissent ta gloire. Tes enfants ici à ICC Cotonou reconnaissent ta gloire. Car tu es le roi de gloire. À Jésus seul la gloire. À Jésus seul la gloire. À Jésus la louange. À Jésus, à Jésus, à Jésus. À Jésus, à Jésus. À Jésus. Thank you.
lui l'honneur, à lui la puissance, à lui la gloire, la sagesse, la richesse, à Jésus. Il est dit de louange, il est dit de
il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement, Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement, oh Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement, oh Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Oh Jésus, il est, il est, oh Jésus-Christ. Oui, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi, ma vie de tous les jours. Il est le roi, oh, à ta victoire m'appartient. Désormais, oh, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oui, je veux danser pour Jésus. Il est le roi, oui, je veux tourner pour Jésus. Il est le roi.
gloire à Jésus. Magnifique Seigneur, oh nous t'aimons, nous t'adorons, nous te rendons le culte qui t'est dû. Un culte à l'honneur de ton nom, dans la présence de ton esprit. Gloire à ton nom, nous bénissons ton nom, cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci, que ce culte te soit agréable, rien que pour toi, uniquement pour toi. Alléluia, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Avant de t'asseoir, va taper dans la main de 5 personnes que tu ne connais pas. 5 personnes, et tu lui dis simplement gloire à Dieu. Tu sais, le culte est adressé à une seule personne. Et le but du culte n'est pas que ton voisin soit content, mais qu'on ait un seul. Qu'on ait un seul qui se réjouisse. Et pour cela, comme ça a été dit tout à l'heure par la sœur Bénédicte, je t'encourage véritablement à dégager du temps, parce que je sais que tu sais le faire et que tu peux le faire. C'est-à-dire à dégager du temps pour la semaine de jeûne et prière, pas simplement dans l'attitude de jeûne et prière, qui est une très bonne chose, mais de te rendre ici. De te rendre ici. Parce que sur ce thème, dans la recherche du cœur du Père, entre autres, nous allons véritablement comprendre la notion du culte qui est agréable à Dieu. Amen. Ah, le culte qui est agréable à Dieu. Le culte est adressé à Dieu. Il est adressé à Dieu. J'ai vu une image marrante sur la toile sur Internet, où tu as un monsieur, c'est à la fin du culte, et puis il vient voir le pasteur avec sa Bible, il vient voir le pasteur, il dit « Pasteur, j'ai pas aimé le culte aujourd'hui. » Et puis le pasteur de lui dire, ah ben ça tombe bien parce que le culte ne vous était pas adressé. Tu me suis. Oh. Le culte est adressé à une seule personne. À sa majesté le Christ. Ouais. Donc vraiment, je t'encourage à participer à cette semaine de jeûne et prière. Parce que lorsqu'il s'agit d'être, quand on dit à la recherche du cœur de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on va expliquer. Je pensais que ça aurait été un temps de supplication et d'adoration comme tel, mais le Seigneur m'amène à ce que ce soit un temps de prière, d'adoration, et au même temps couplé avec un temps d'enseignement pour emmener l'Église, là où le Seigneur est en train de nous emmener plus loin dans ses parvis, plus loin dans son lieu secret, d'emmener l'Église encore plus loin dans la notion. Il y a des choses que je dirais simplement à la semaine. Oui, il y a des choses que je dirais simplement à la semaine. Mais, non, la semaine. Ça commence déjà, on a déjà commencé, donc demain. Et pour aujourd'hui, je pensais, je le disais au premier culte, je pensais justement faire une introduction par rapport à la semaine de jeûne et prière, jusqu'à ce que hier matin, le Seigneur me parle autrement. Et tu sais, il faut toujours prendre avec beaucoup d'humilité, de pincettes et de crainte, hein, quand tu dis « Dieu m'a dit ». Même si Dieu nous parle, dis-moi un bon amen. Mais il faut toujours prendre avec humilité, parce que est-ce que Dieu m'a... Oui, non, mais je crois véritablement, humblement, et avec crainte que Dieu m'a dit. Il m'a dit, il faut que tu leur parles. Et il m'a dit en ces termes, il m'a dit, dis-leur, il faut que tu leur parles. Alors, je vais parler sur un sujet qui tient étrangement, et un sujet que j'ai abordé dimanche dernier, et dimanche d'avant. Dis à ton voisin, mange d'abord. Et
Si tu nous as rejoints la première fois, bienvenue. Tout à l'heure, on va t'accueillir comme il se doit. Toi qui étais là dimanche dernier, dis encore à ton voisin, mange d'abord. Mais tu peux continuer la suite, tu connais la suite. Mange d'abord à la maison. Alors, je pensais que c'était bon. On a fait le premier, ça fait trois dimanches. Il y avait le dimanche avec le pasteur Christian. Et ensuite, j'ai pris la suite. Je pensais que, OK, comme on dit en anglais, we can move on. On peut aller. Et Saint-Esprit me dit, non. Alors, tu vois, si le Seigneur m'arrête et qu'il me bloque par rapport à ça, alors je comprends. Quelque chose que je comprends et que je comprends de mieux en mieux. Cela veut dire que le salut de quelqu'un en dépend. Quand je parle de salut, je ne parle pas forcément du salut de ton âme, c'est-à-dire du salut le fait que tu sois sauvé et que tu ailles au ciel. Je ne parle pas forcément de ce salut-là, même si pour quelqu'un ça en dépend. Mais je parle de cette notion de salut de sozo, tu vois, c'est un salut complet, c'est un salut total, c'est-à-dire par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie, par rapport à ce que Dieu a dit qu'il allait faire dans ta vie. Je l'ai dit, je le répète, je signe, j'atteste, ta destinée est fortement liée à ton église locale. Oui, ta destinée spirituelle est fortement, c'est-à-dire ta destinée de ta vie, est fortement liée à ton église locale. C'est pour cela, je vais revenir sur des choses que j'ai dites, et avec, par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, parce que c'est vraiment lui qui va te parler, que tu comprennes en fait la profondeur de l'importance de ce message. Donc en fait, aujourd'hui, le titre du message exactement, il est un peu long. D'habitude, je ne fais pas des titres aussi longs, mais j'obéis. Et donc voilà, c'est « Manger d'abord à la maison », entre parenthèses, dans mon église locale, il faut qu'on soit bien précis, « Manger d'abord à la maison » ou encore « dans mon église locale » démontre que j'y rends, c'est-à-dire dans mon église locale, que j'y rends véritablement un culte à Dieu chaque dimanche. Et t'inquiète, toute la semaine, j'ai fait mon stock d'heures. Amen, amen, amen. Reprends avec moi Matthieu 4, 4. Matthieu 4, 4 dit ceci. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dis-moi un bon amen. Nous avons donc bien dit que la parole de Dieu est une nourriture. C'est une nourriture. C'est pour cela que nous parlons du fait de manger. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. Ok? Mais donc, on a parlé dimanche dernier sur l'aspect de la nourriture et on va encore en parler. Mais regarde, ce passage est intéressant parce qu'on dit donc que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole ou encore de toute nourriture qui sort. Pas qui est sorti. Pas qui sortira. Qui sort de la bouche de Dieu. OK? La parole... Je vais aller très lentement parce qu'il y a certains téléchargements où ça bloque, d'autres où c'est fluide, et il y a d'autres où il est bug, ça bloque, ça repart. Donc il y a des techniciens qui sont libérés dans la salle, ce sont des anges. Il y a des techniciens angéliques qui sont libérés dans la salle pour réguler le débit de certaines connexions. Donc je t'invite à ne pas fermer ta connexion. La parole qui transforme n'est pas une parole inventée par le pasteur, par le prédicateur ou autre. La parole qui transforme est une parole ce n'est pas une parole qui est concoctée par l'intelligence ou la capacité de l'art oratoire. Ce n'est pas cette parole-là qui transforme. La parole qui transforme, bel et bien, c'est une parole qui est inspirée, révélée et qui sort dans le temps présent à dessein précis en provenance de Dieu lui-même. Rappelle-toi, dans Ésaïe 55, lorsque nous avons parlé des cinq bienfaits de la parole de Dieu, dans Ésaïe 55, il est écrit que la parole de Dieu ne revient point à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle avait été envoyée. Et lorsque sa parole est envoyée, elle arrose, elle féconde et elle fait germer. Elle donne du pain à celui qui mange et la semence au semeur. Mais les trois premiers sont importants. Elle arrose, elle féconde et elle fait germer. Donc, quand sa parole est envoyée, c'est pour arroser. Dis à ton voisin, ferme ton parapluie. Et laisse-toi arroser. Parce que sa parole est toujours envoyée pour un but. Je répète, je vais lentement pour m'assurer que je ne perde personne. Sa parole est envoyée pour un but. Elle n'est pas envoyée par hasard. Elle n'est pas destinée par hasard. Elle n'est pas accidentelle. Non, elle est envoyée pour un but.
Et ce but-là doit être atteint avant que, que cette parole ne lui revienne. Donc, nous avons dit que manger d'abord à la maison ne veut pas dire manger exclusivement à la maison. Je l'ai dit, mais je le redis, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a entendu que ceux qui voulaient entendre. Donc, je le redis, manger d'abord ne veut pas dire de manger de manière exclusive ou bien de ne manger que à la maison. Mais le d'abord a toute son importance. Parce que le d'abord, ça veut dire la nourriture première ou de base. Cette nourriture de base qui est reçue à la maison ou encore dans ton église locale. Et que cette parole est cette parole sur laquelle tu vas t'asseoir, tu vas approfondir, tu vas méditer, tu vas ruminer, tu vas digérer, tu vas ruminer, tu vas remanger, tu vas ruminer, tu vas digérer. Ça s'appelle la méditation. Et que cette parole, ce qui est contenu dans cette parole, va t'enraciner et va emmener des ramifications. Et ces ramifications-là, maintenant, vont te permettre, sur la base de la consistance de ce que tu as reçu, de pouvoir y ajouter d'autres compléments, mais qui auront une base solide, reçue de la part du Seigneur dans ta maison. Le souci, c'est que plusieurs, ou certains, je ne sais pas, mais en tout cas au moins une personne, a tendance à prendre comme nourriture de base une parole extérieure qu'à celle donnée à la maison. C'est pour ça qu'il y a des indigestions bizarres. Quel est cet enfant qui a pour nourriture de base la nourriture du voisin? Est-il interdit à l'enfant d'aller manger chez le voisin? Non. Enfin, après, ça dépend de la relation avec le voisin, je ne sais pas. Mais de manière générale, ce n'est pas une interdiction. Mais si le voisin, 19h, tout le monde mange à la maison, mais on sait qu'à 19h, lui, le petit là, il n'est pas là. Il est où? Ah, il est chez le voisin. Il y a un problème. Par rapport à la responsabilité des parents, il y a un problème. Comment ils pourront rendre compte véritablement de la bonne croissance de l'enfant? La bonne croissance de l'enfant, en dehors des soins qui sont accordés, en l'occurrence les soins pastoraux, en dehors des soins qui sont accordés, en dehors du toit qui est accordé, il y a aussi surtout la notion de la nourriture qui est donnée, qui permet aux parents de pouvoir rendre compte de la bonne croissance de l'enfant. Dis à ton voisin, mange d'abord à la maison. Et c'est ainsi que le Seigneur me dit, mais dis-leur. Donc, humblement, c'est ce que j'essaye de te dire de la manière la plus fidèle possible. Parce qu'il me dit, dis-leur. Dis-leur quoi, Seigneur? Dis-leur. Dis-leur que cependant, il y en a qui viennent le dimanche au temps du culte, ce qu'on appelle donc le culte. Parce que quand tu es sorti de chez toi, on t'a demandé où tu vas, tu as dit, je m'en vais au culte, je m'en vais à l'église. Et il me dit, dis-leur qu'il y en a cependant qui viennent au culte, mais de la même manière ou encore avec le même esprit avec lequel on se rend dans un restaurant. C'est-à-dire, en famille, il arrive des moments où on décide, c'est-à-dire aujourd'hui, on va aller manger au restaurant, vrai ou pas vrai? On dit, on va aller manger au restaurant. Et aller manger au restaurant, c'est dans quel but? Ce n'est pas uniquement dans le but de manger. C'est aussi dans le but simplement de se faire plaisir. C'est dans le but de se faire plaisir. C'est ainsi d'ailleurs que tu vas aller dans un restaurant qui te plaît. Oui. Et quand tu y retournes, c'est parce que quand tu y étais allé, la nourriture t'a plu, le service aussi. Mais il n'y a aucune famille équilibrée, même si elle en a les moyens, qui tous les soirs sort pour aller manger au restaurant. Même si elle a des millions. Parce que ce n'est pas un bon équilibre. Tous les soirs, la famille qui sort, qui va au restaurant, non, ce n'est pas un bon équilibre. Se faire plaisir, y aller parfois, t'entends, oui, mais tous les soirs, non. Et tu vois, la particularité du restaurant, c'est que tu viens et que tu choisis ce que tu veux manger.
Tu choisis, tu fais ton choix. Parce que je répète, le but principal du restaurant, c'est de te faire plaisir. Les bons restaurateurs, les bons restaurants connaissent ce principe-là. C'est-à-dire qu'ils savent que, dans les très bons restaurateurs savent une chose, ils ne te vendent pas de la nourriture, ils te vendent un cadre. Ça, les bons restaurateurs le savent. Donc ça veut dire que ça peut être ton même poulet bicyclette que tu manges à la maison, ta même pâte, ton même jus là. Mais quand tu arrives au restaurant, c'est le même, hein, mais on te l'a présenté autrement. On te l'a découpé, c'est-à-dire le même poulet bicyclette, hein, mais on te l'a coupé, on t'a fait des formes avec. Et puis on a mis un peu de persil autour. Et puis ton jus là, ton riz là, on te met ça. Normalement, toi tu étales le riz, mais là on te met ça dans une forme de cœur. C'est le même riz, c'est le même chez toi. Mais la présentation. Et qu'est-ce que tu payes? Tu ne payes pas que la nourriture. Tu payes tout ce qu'il y a autour. Tu payes tout ce qu'il y a autour. Oui. Comment expliquer que le même Yuki que tu vas acheter à la sortie de l'Avon là, que tu vas prendre à 400 francs, le même Yuki là-bas, il est à 1000 francs. C'est le même. Hein? C'est pas Yuki, un Yuki plus, hein? C'est le même. Mais il te coûte deux fois plus cher. Pourquoi? Parce qu'on te vend en fait le cadre. Donc en fait, tu vois, le but du restaurant, c'est de te faire plaisir, c'est de te mettre bien. C'est que tu vois, je suis bien. Tu vois? Et donc, quand tu arrives, et puis on te dit, t'as le serveur qui arrive et qui dit bonjour. D'abord, il te donne la carte. Tu prends la carte, tu fais ton choix, il dit je reviens dans 5 minutes. Il est parti. Tu fais ton choix, tu choisis. Ensuite, quand il revient, il te pose la question, avez-vous fait votre choix? Passez votre commande. Passez votre commande. Et donc, à partir de là, il dit, ouais, je prends ceci, je prends cela. Et il note, ok, il note. Avec ceci, oui. Un dessert, avec ceci, tu choisis. Même si dans le restaurant, dans certains restaurants, il y a le menu du jour que le chef a fait, et c'est le menu du jour. Mais quand tu viens, tu n'es pas obligé de prendre le menu du jour. Quel est le menu du jour aujourd'hui? Ah, bah aujourd'hui, ceci, cela. Je ne vais pas, donnez-moi la carte, je vais faire mon choix. Est-ce que tu me sais? Quand tu es enfant, que tu es à la maison, tu n'as pas vraiment de carte. Que tu me suis. Il n'y a pas vraiment de carte. C'est, d'ailleurs, même le mari, tu vois, il va venir, il va dire, oh, ok, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Chérie, ce soir, ce sera ça, ça et ça. Surtout les enfants. Maman, on mange quoi? Papa, c'est quoi aujourd'hui? Ça, ça et ça. Ah, gna, gna. On a dit, c'est ça. Parce que les parents savent. Lorsque la famille est bien équilibrée, ils savent, ils se soucient de l'enfant. Et donc, ils savent exactement ce qu'il faut leur préparer. Quand tu vas au restaurant, même si tu as une dose de cholestérol compliquée dans le corps, quand tu vas au restaurant, jamais le serveur va te dire, monsieur, vous voulez ça, mais est-ce que votre dose de cholestérol... Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ton plaisir. Hein? Tandis que maman à la maison ou ta femme à la maison va dire non, ça c'est pas bon pour toi. Tu vas, s'il y a une allergie par rapport à la farine ou au blé comme tel, on sait que toi, on te fait pas de gâteau. Mais quand tu vas au restaurant, pourrais-je avoir s'il vous plaît le meilleur des gâteaux que vous avez comme dessert? Parce que le restaurateur n'a aucun compte à rendre sur ton régime. Aucun. D'ailleurs, il ne le connaît pas. Son intérêt, c'est que tu payes. C'est tout. Est-ce que tu me suis? Et le Seigneur me dit, il y en a plusieurs qui viennent avec la mentalité du restaurant. Pour tout mon plaisir. Ce qui, d'ailleurs, explique le vagabondage ecclésiastique de certains. D'église en église, tu t'en allas.
Il vint de Parakou, descendit sur Cotonou, s'en allant vers Kétou. C'est-à-dire, tu connais toutes les églises de Cotonou et leurs pasteurs. Tu vas d'église en église. Et tu dis, là-bas, attention, ils sont comme ça. Là-bas, le pasteur, il est comme ça. Là-bas, où? Mais comment tu sais ça? Oh non, bon, j'ai vu un peu. À la recherche de quoi? D'éternel voyageur. Spirituellement, tu ressembles à quelqu'un qui a toujours ses valises. Il part. Tu arrives à l'église, tu arrives, tu es là. Hein? Mais en fait, tu gardes les valises. Tu es debout avec les valises. Ça veut dire, je suis venu faire un culte aujourd'hui, on verra comment ça va se passer. Si tu reviens dimanche prochain, tu t'assieds, mais tu as toujours les valises. Tu restes comme ça 2 semaines, mais toujours avec tes valises. Puis à un moment donné, quand il suffit qu'il se manque quelque chose, hop, on repart vers une autre église. Souvent à la recherche de ce qui te plaît. Sans aucun conseil de la personne de l'Esprit, sans aucun conseil de la personne du Saint-Esprit, mais à la recherche de ce qui te convient à toi. Il y en a certains qui disent avoir déposé valises à un pacte centre chrétien Cotonou. Mais tu sais, tu peux déposer les valises, mais ne jamais vraiment les déballer. Les valises sont là. Tu sais, donc quand tu vas souvent à l'hôtel, à un moment donné, tu es fatigué d'enlever les habits, de mettre, tu laisses, c'est-à-dire ta valise devient en fait ton armoire. Tu changes, hein, tu changes, tu mets, tu changes. Ou bien tu sais, quand tu es de passage chez un ami ou autre, tu as ta valise, tu n'as pas tout, voilà. C'est-à-dire ta valise devient ton meuble, en fait. Donc tu changes, tout est dans ta valise. Comme ça, c'est dès que, on est reparti. Et le Seigneur me dit, dis-leur. Que certaines viennent au culte, alors tu vas comprendre, que certaines viennent au culte, mais avec la mentalité du restaurant, ou encore la mentalité de l'hôtel-restaurant, du restaurant-hôtel. Voilà. Avec la diversité aujourd'hui, que ce soit sur Internet, que ce soit la diversité des livres, que ce soit la diversité d'église, que ce soit la diversité des hommes de Dieu, la notion du choix abondant est devenue de plus en plus forte. Et ce qui touche au fait de la société aujourd'hui, en termes dans la société, tu verras que l'un des plus grands défis qu'ont les entreprises, l'un des plus grands défis qu'ils ont consiste à fidéliser la clientèle. Il y a un problème de fidélité. De fidélité. Donc, ils ont tout type de plans, de techniques, de tactiques, marketing et tout, simplement pour garder le client. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est chez MTN et puis avec la portabilité, il peut aller chez Move sans problème. Hier, avant, pour quitter une entreprise ou quitter un contrat, arrêter un contrat, c'était difficile. Aujourd'hui, de plus en plus, les ruptures de contrat sont facilitées. Elles sont facilitées. Aussi bien que établir un contrat, que rompre un contrat, ça va de plus en plus vite. Dans certains pays, un mariage peut se faire en 5 minutes et se défaire en 5 minutes. Oui, dans certains coins de certains pays. Vous pouvez vous marier comme ça aujourd'hui. Enfin, tu peux même te marier avec un objet, tu peux te marier avec un animal et tout. Et vous avez certificat, hein? Oh, t'es marié. J'ai même vu pire dans un autre pays asiatique où tu peux te marier avec un personnage vidéo. Ouais, c'est dingue, ouais, je sais. Mais oui, il y a un personnage manga, un personnage vidéo, une femme, manga, vidéo, personnage vidéo, qui a beaucoup de maris. Ah ouais, un certificat de mariage avec un tel. Hein. Vraiment, c'est... Bon, encore, enfin, le certificat n'est pas reconnu officiellement, mais il y a bien un certificat. Enfin bref, il y a cette diversité, donc ça devient tellement facile de se dire aujourd'hui, je suis ici, je suis là-bas, parfois ici, parfois là-bas, tantôt ici, tantôt là-bas. Et sans s'en rendre compte, ça crée des enfants de Dieu, des chrétiens qui au fait n'avancent pas. Rappelle-toi,
Il y a deux dimanches. Le pasteur Christian, quand il a donné le titre « Mange d'abord à la maison », il hésitait entre deux titres. Il y avait « Mange d'abord à la maison » ou bien il disait qu'il pouvait donner le titre « Pourquoi est-ce que certains chrétiens n'avancent pas et tournent en rond malgré toute la parole qu'ils écoutent ?» Bon, le premier titre était plus court. Mais la réalité du deuxième qu'il voulait mettre, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Est-ce que tu me suis ? Est-ce que Dieu peut te parler au travers de différents canaux, au travers de diverses églises, de diverses personnes ? La réponse, bien sûr, tu sais que c'est oui, bien sûr. Et il a déjà fait et il le fait toujours. Dis-moi un bon amen. C'est pour ça que je rappelle, il s'agit de manger d'abord. Ce n'est pas exclusivement, c'est d'abord. Parce que soyons honnêtes, soyons maintenant honnêtes. Si tu es très honnête, tu verras que lorsque tu papillonnes, de message en message, d'église en église, de livre en livre, de prédication en prédication. Lorsque tu papillonnes de la sorte, sois honnête, parce que tu remarqueras que bien souvent, tu ne le fais pas sous le conseil de l'esprit. Sois honnête. Tu ne le fais pas sous le conseil de l'esprit, bien souvent. Je n'ai pas dit tout le temps, j'ai dit bien souvent. Ce n'est pas sous l'impulsion du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui pousse souvent à aller chercher, à aller manger ailleurs qu'à la maison? Mais ça va très souvent être guidé par plusieurs choses. En l'occurrence, ça peut être une situation de douleur. Quand je parle de douleur, ça peut être des douleurs dues au passé. Les blessures non guéries du passé qui font que ça va t'emmener peut-être à quitter un endroit à cause des blessures du passé ou aller rechercher une aide à cause d'une blessure du passé. Mais c'est ça qui te motive comme tel. Si ce n'est pas ça, ça peut être la souffrance. Quand je distingue douleur et souffrance, la souffrance, je parle de ce qui est présent maintenant. Une situation maintenant qui te fait souffrir. Et comme la situation te fait souffrir, combien de fois je n'ai pas vu ça, une situation qui fait souffrir. Mais quand tu arrives à l'église, tu penses que le Seigneur ne parle pas par rapport à cette situation. Alors tu vas chercher ailleurs une aide par rapport à cette situation. Et combien de fois est-ce que le Seigneur ne m'a pas fait comprendre en disant « Cette souffrance-là était voulue par moi ?» Ah, tu ne savais pas. Tu ne savais pas qu'il y a des souffrances que Dieu lui-même permet. Tu ne savais pas. Le problème, c'est que quand une souffrance arrive et directement tu te dis « Ah non, je ne peux, non, il ne faut pas, non, il ne faut pas, non, il ne faut pas, non, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien, non, non, non. Je ne souffrirai jamais, je ne souffrirai. » Donc dès que la souffrance apparaît, « Ah non, pas question, il faut que j'aille chercher un secours, un remède directement, il faut arrêter la souffrance. » Alors qu'il y a certaines souffrances qui sont nécessaires à ta maturité. Et lorsque tu restes sur place, le Seigneur te dit, ce n'est pas la technique, la solution n'est pas de chercher à ce que la souffrance s'arrête. La technique, la solution, c'est de rechercher à ce que je te fortifie dans celle-ci. Elle n'est que passagère, mais elle est nécessaire. Mais celle-ci te pousse à aller chercher une solution ailleurs. Ou bien c'est simplement nos envies. Ce sera une question de préférence. Ah non, j'aime bien le style, j'aime bien son style. Ah, j'aime bien sa manière de parler. Ah, j'aime bien ce, je les écris. Ah, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Et donc, c'est juste ça qui te motive. Ce n'est pas l'esprit forcément qui te dit, fais-le. Est-ce que tu me suis? Ou bien simplement une question de besoin. Ah, Seigneur, tu vois ma situation. Oh, Seigneur, fais-moi un blues avec un grand B. Oh Seigneur, cela fait 22 ans que tu m'avais dit, ma fille, je vais bénir ton mariage. Nous sommes en 2019, Jésus, as-tu oublié ta promesse? J'ai besoin de mon mariage. J'ai besoin de mon mariage. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à ce moment-là, tu vas chercher un endroit où on va te donner le mariage automatiquement. Donnez-moi le mariage. Donnez-moi mon mariage. Ton besoin. C'est ton besoin. C'est ton besoin qui a motivé, au fait, ton mouvement. Est-ce que le fait
de réagir par rapport à la douleur, par rapport aux souffrances, aux envies, aux besoins. Est-ce que cela est mal en soi? Non, ce n'est pas mal en soi. La question, c'est est-ce que cela. Le problème, c'est lorsque cela devient la source, la motivation première, la raison première de ton mouvement, au détriment de l'Esprit de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jésus a dit, l'Esprit de vérité viendra et il vous conduira, dans Jean 16, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, tu vois, en remettant tout cela en exergue, en lumière, il faut se poser la question, en fait, mais quel est le vrai problème? Et c'est toujours ce que le Seigneur continue à m'expliquer. Il me dit, au fait, le vrai problème, le véritable problème, c'est pas d'abord le fait de manger ou de ne pas manger à la maison. Cela n'est qu'une conséquence. Je dis, Seigneur, une conséquence de quoi? Il me dit, ce n'est qu'une conséquence par rapport au vrai problème. Il faut que tu questionnes quel est le vrai problème. Je dis, Seigneur, le vrai problème, c'est quoi? Il me dit, le vrai problème, c'est la question du culte qui est rendu. Je dis, ah, Seigneur, je comprends. Il me dit, c'est le culte. Il faut poser la question par rapport au culte qui est rendu à Dieu chaque dimanche. Parce que la réalité est que plusieurs n'ont pas foi dans la parole qui leur est adressée lors de la convocation solennelle et familiale du dimanche. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas le dimanche pour rendre culte à Dieu. Un culte qui, lui, soit agréable. Ils viennent le dimanche, pas pour que Dieu soit content, mais pour que eux le soient. La mentalité du restaurant. Ce n'est pas pour que le cœur du Père se réjouisse. Tu comprends pourquoi il est important que tu sois la semaine à la recherche du cœur du Père. Ce n'est pas pour que le cœur du Père se réjouisse. Ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est que le culte leur fasse du bien. La priorité, la question à se poser, c'est à qui est rendu le culte? Et il me dit, lorsque tu réponds à cette question, fils, à qui est rendu le culte, alors tu verras qu'est-ce qui sera fait de la parole qui est annoncée. Lorsque la réponse est donnée sur cette question fondamentale, à qui le culte est-il rendu chaque dimanche? Et le culte n'est pas l'affaire du pasteur ou des chantres. Il n'y a pas d'acteurs et de spectateurs pendant le temps de culte. Nous sommes tous acteurs. Et quand tu réponds à cette question, la gestion par rapport à la parole qui est prêchée va se résoudre elle-même. Et c'est là que le Seigneur me dit, je dis tout ça, c'est qu'il me dit, il dit, dis-leur. Vraiment, je fais le perroquet. Il me dit, il y en a qui viennent le dimanche au culte sans même se préparer pour le culte. La préparation pour le culte ne consiste pas à mettre ta cravate et ton costume. Ça ne consiste pas à mettre ta belle tenue, ton beau pagne, ta belle robe. Ce n'est pas ça, la préparation au culte, même si cet aspect a son importance. Mais la véritable préparation au culte, ce n'est pas ça. C'est une préparation au niveau du cœur, dans la prière et dans l'attente et l'expectative de le rencontrer, de le contempler et de l'écouter. Je répète, la préparation au culte se fait au niveau du cœur d'abord, dans la prière, dans l'attente et l'expectative de le rencontrer, de le contempler et de l'écouter. Ah. Les stars. La préparation du culte, ce n'est pas la prière des stars. Ce n'est pas ça la préparation au culte. La prière des stars, ce n'est pas ça qui vous prépare au culte. Vous êtes censé vous être préparé au culte largement avant. Au fait, vous êtes censé être, ça on verra pendant la semaine. Mais vous êtes censé, nous sommes censés être constamment en mode culte.
Mais encore plus lorsque nous savons que nous nous retrouvons dans un rassemblement comme celui-ci, où nous venons en famille pour lui rendre culte, parce que c'est lui d'abord. On verra plus tard. On verra plus tard qu'il y a aussi la notion verticale et aussi la notion horizontale. Mais ça commence avec lui. Au commencement, Dieu. Ça commence avec lui. Lorsque tu viens au culte uniquement pour les considérations horizontales, tu as manqué le but. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'abord les autres, ni toi, c'est d'abord lui. Il me dit, fils, tu réponds à cette question. Qu'est à qui le culte est-il rendu? Et tu comprendras, le problème de la question de manger à la maison ne sera plus un problème. Parce qu'au fait, tout part de là. Est-ce que tu me suis? Parce qu'un manque de préparation dénote le peu de foi et d'attente dans la présence de Dieu. Ainsi, quelle en est la conséquence? C'est qu'en venant au culte, sans respecter ou honorer la présence de Dieu, il est impossible par la suite de respecter sa parole, car il est sa parole, il est indissociable à sa parole. Et donc, au final, cette même parole t'échappe. Tu ne la saisis pas. Tu ne la gardes pas. Et le but pour lequel elle a été envoyée dans ta vie, elle peut peut-être t'arroser, mais n'arrive pas à te féconder et encore moins à te faire porter du fruit. Tu remarqueras, pour toi qui viens au culte, avec une soif, en t'étant préparé, en cherchant à le rencontrer, lorsque tu viens dans cette attitude, tu remarqueras, et j'ose croire que ça t'est déjà arrivé et que ça t'arrive, que tu arrives avec une attente, avec une soif, avec une expectative, et au fait, tu remarques que tu es déjà connecté à la parole qui est prêchée, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Mais parce que la parole, c'est lui. Entre parenthèses, raison pour laquelle, je l'ai dit, je le répète, on ne va pas dans une église parce que l'église est à côté de chez soi. On ne va pas dans une église parce que c'est l'église de papa et de maman. On ne va pas dans une église parce que c'est pas la raison d'abord pour laquelle on va dans une église. On va dans une église parce que Dieu y est. Ah oui, c'est parce que Dieu y est. C'est pas parce que mon meilleur ami est là-bas. Non, c'est parce que Dieu est là-bas d'abord. Parce que Dieu y est. Et Dieu, le Seigneur, est sa parole. Donc en l'occurrence, assure-toi d'être dans une église où sa parole est prêchée. J'ai dit sa parole, hein? Pas la parole de l'homme de Dieu. Pas la parole d'une dénomination. Je dis sa parole, parce qu'il est sa parole. Et là où il est, sa parole est. Là, sa parole est, il est. Est-ce que tu me suis? Et donc, tu remarqueras que, quand tu viens de manière préparée, tu arrives et il va t'arriver des fois, soit tu dis, c'est comique ça, c'est marrant parce que ce que le pasteur il dit, mais j'ai médité dessus la semaine. Mais ce même verset, il y en a un verset, mais je suis sur ce verset depuis 3 jours. Et puis maintenant tu dis, le Seigneur m'a déjà parlé par rapport à ça. Tu vois? Ou bien autrement, ça veut dire un sujet sur lequel voilà, tu réfléchissais, tu te posais des questions. Et le dimanche, le Seigneur, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le prédicateur du jour. Le sujet correspond exactement à ce par quoi tu es en train de passer. Oui. Tu te rappelles, non? Quand tu es venu peut-être à l'église pour une première fois. Tu es venu à l'église, tu ne connaissais pas le Seigneur, mais tu es venu à l'église. C'est peut-être le cas de quelqu'un aujourd'hui. Tu es venu à l'église, tu ne connaissais pas le Seigneur. Puis quand tu arrives, puis le pasteur, il parle. Arrête le péché. Arrête, tu es sorti hier, tu étais en boîte de nuit, tu as failli te faire ramasser, je crois que c'est une parole prophétique. Tu as failli te faire ramasser par une voiture, par une moto, mais tu as encore en vie. C'est la grâce de Dieu qui t'a préservé. C'est pour ça que tu es venu à l'église aujourd'hui. C'est pour ça que tu es venu à l'église aujourd'hui. Et là maintenant tu es sur ton siège, tu te dis, qui lui a dit? C'est pas le pasteur, c'est Dieu. Là, le Seigneur s'est adressé à plus d'une personne, je vois. Au moins à une personne.
Oui, oui. Tu étais en boîte de nuit hier, on a failli soit te faire ramasser ou bien on a failli te tuer. Il y a eu une rixe, il y a eu un combat, les couteaux, tout cela. Tu t'en es échappé. Tu es venu juste pour purifier tes péchés d'hier. Le Seigneur ne veut pas purifier tes péchés d'hier, il veut te purifier totalement. Amen. Et transformer ta vie complètement. Amen. Ou tu sais, des fois, quand tu es sur quelque chose qui te tracasse comme tel, et ce que le pasteur dit, ça ne corrobore pas le sujet, corrobore absolument pas avec ta situation. Et puis à un moment donné, il fait une parenthèse. Et puis il dit, parenthèse. Et puis la parenthèse, il parle de ton sujet, il parle. Et puis la parenthèse est fermée, il continue. C'était pas le pasteur, c'était Dieu. C'est son esprit qui te parle. Mais tu vois, quand tu viens avec une expectative, de manière préparée, avec une attente de dire, je veux le rencontrer, je veux le contempler, je veux l'entendre. Quand tu viens avec cette attitude, tu as déjà connecté avec la parole, parce qu'il est sa parole. Et lorsque tu la reçois, tu la prends, tu la manges, tu la rumines, tu la digères, tu la rumines, tu la remanges, tu la rumines, tu digères, tu la médites. Et sans t'en rendre compte, tu grandis. Est-ce que tu me suis? Imagine un fiancé qui invite sa fiancée. Il invite sa fiancée et puis il lui dit, voilà, ça, on se voit dans 5 jours et tout cela. Tu vois, la fiancée, elle va se préparer. Elle va se préparer. Ah oui, tu vois, 5 jours, elle a largement le temps de faire une nouvelle coiffure. Tu sais le type de coiffure elle fait et puis elle attend que tu remarques, que tu as remarqué. Tu vois, non? T'as pas vu? Elle attend un compliment. Tu vois? Elle fait la coiffure. Mais tu vois, souvent, elle va faire la coiffure sur la base de ce que maintenant elle sait que son fiancé aime. Eh oui. C'est-à-dire qu'elle est en train de méditer sur les paroles de son fiancé. Tu sais, moi, j'aime les cheveux courts. Elle faisait les cheveux longs. J'aime les cheveux courts. Elle va couper ses cheveux. Et elle démontre. Et tu vois, quand le fiancé la voit, les cheveux courts, ça. Et elle a rien dit. De la même manière, quand tu t'es préparé, tu as écouté la parole. Tu as écouté sa parole. Quand tu reviens, tu t'es repréparé en fonction de la parole que tu as reçue. Tu te représentes devant lui. Et il te regarde, il dit, ah, mon fils là, ah, il est là. Que tu me suis. Et c'est là au fait que tu grandis. Et tu grandis comment? Dans ta relation. Qu'est-ce qui fait qu'une relation grandit? Mais c'est au travers de ce type de rapport. Tu vois, tu dis quelque chose, et puis la personne qui prend en considération, et tout à coup la confiance grandit, et puis la proximité grandit, et puis l'intimité grandit, et puis tout à coup vous devenez de plus en plus liés. Et tu grandis. Sur la base de la mise en application de la parole que tu as reçue, la fiancée entend la parole de son fiancé, il entend que oui, il aime, au cours d'une conversation, moi, tu sais, la couleur, le rouge, j'aime pas trop et tout, moi j'aime bien le bleu et tout. Elle aimait le rouge. Elle dit, ah, t'aimes pas le rouge, d'accord. Elle va dans sa garde-robe, tout ce qui est rouge, de côté. Elle va maintenant le bleu, elle range le bleu. Bleu roi, bleu ciel, bleu marine, bleu turquoise, bleu, bleu blanc, bleu, tout ça, pfff. Et quand elle revient pour le fameux rendez-vous, tu vois, elle a les cheveux coupés comme tel, elle a la tenue bleue, et elle est à l'heure, elle s'est pouponnée, elle est parfumée et tout ça. Donc, c'est-à-dire, même quand la fiancée arrive, il avait un budget pour aller dans tel restaurant, mais quand elle arrive, il est obligé de doubler le budget parce qu'elle dit là, je ne peux plus l'emmener là-bas, il faut qu'on aille là-bas. Si tu me suis, parce qu'elle s'est préparée. Ne sais-tu pas que l'Église que nous sommes se doit de se préparer à la rencontre de son époux? Amen. Et quand tu viens au culte, lorsque nous venons au culte, nous devons venir en lui rendant à lui un culte de manière préparée. Tu comprendras la semaine pourquoi est-ce que la question du cœur est capitale, est cruciale.
Sinon, nous tombons dans la catégorie de Ésaïe 29, verset 13, qui dit « Ce peuple m'honore de la bouche et debout des lèvres, mais son cœur, lui, au fait, il est éloigné de moi. » Ce qu'il fait, ce n'est simplement que l'application de principes, de préceptes et de traditions, des choses qui lui ont été enseignées par les hommes. En fait, son cœur comme tel n'y est pas. Est-ce que tu me suis? Alors imagine la fiancée qui arrive. C'est-à-dire, elle vient avec... Tu sais, il y a pagne et pagne. Il y a de magnifiques pagnes, comme toutes les cailles là actuellement. Magnifiques, toutes, très bien, magnifiques. Mais il y a des pagnes. C'est-à-dire, quand tu vois le pagne, même le pagne te dit, je suis fatigué. Tu sais, non, le type de pagne que tu ne portes pas en sortant, qui reste à la maison là. Tu vois, non? Et non, tu vois la fiancée qui arrive avec ce pagne là. Donc, bon, je passe les détails. Mais, eh bien... Non, les cheveux, tu sais, il y a une partie qui va à l'est et l'autre à l'ouest. Donc, c'est un choix. Et voilà, elle vient, bon, pas pouponnée, pas maquillée. Elle est en sueur. Elle arrive, Je suis là. Bon, on fait quoi? On va où? Chérie, t'es beau aujourd'hui, hein? T'es beau. Bon. J'avais même oublié le rendez-vous, là. J'ai combien? J'ai une heure de retard. Oh là là! Ah, tu sais, hein, bon, c'est pas grave, non, hein, tu m'aimes, non, moi aussi je t'aime. Bon, on va où? D'ailleurs, le fiancé, il risque de te sortir une excuse. S'il avait prévu de t'emmener là-bas, il va se dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand j'étais ado, d'ailleurs que c'est au premier culte, J'étais ado et j'étais à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Et il y avait un arrivage qui est arrivé de Belgique. Pendant les vacances, il y avait toujours des arrivages. Tu comprends, non, les arrivages, c'est-à-dire bon, les filles qui descendent pour les vacances, qui descendent au pays. Tu vois, non? Et donc, parmi les arrivages, il y avait un produit qui était intéressant. Oh, comprends-moi. Je te parle de l'ancien. Hein. On est en... Et il y avait donc une autre. Voilà, on était les ados et tout. Hein. Et puis une autre. J'avais 16 ans, je crois. Et puis une autre fille. Dit, ah, bien, et tout ça. Ouais, elle vient de Bruxelles. Ah, oh, ouais, Bruxelles. Ah, oh, ouais, ok. Et donc, voilà, tu connais quelqu'un qui connaît et tout. Tac, 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 tac. Ah, c'est bon. D'accord. Pour que tu l'emmènes sortir. Je dis, ok, je sors le grand jeu. Je vais voir mon frère, je lui prends sa chemise façonnable. Belle chemise, son parfum, et tout, ses chaussures. Je prends la voiture de pas. Je prends le petit chien blanc à l'intérieur. Mais non, tu sais, il faut rehausser le niveau. Rehausser le niveau. Puis je vais, j'arrive chez elle. Donc je vois la maman. Bonjour maman, oui maman, oui bonjour. Oui maman. Tout le respect, toi. Tu fais le fils de bonne famille. Maman. Elle dit, ah, mon fils, attends, c'est comme ça, oui. Alors, c'est comment? Non, je l'emmène là-bas, on va aller manger. C'était une sorte de fast-food burger. On va aller manger là-bas. À 19h, on est là, avant la tombée de la nuit et tout cela. Elle dit, ok, mon fils, ok. Et puis, pendant ce temps, je vois la fille passer, au fait, derrière. Je dis, oh, j'ai pas encore prête. Oh, parce que moi, mon timing est juste, là. Et puis, je la revois passer. Et puis, elle arrive, elle dit, ok, c'est bon, ok. Et puis, ok, bon, c'est bon, on est parti. Attends, je dis, on est parti comment? Où? Habillé comme si tu es à la maison. Je dis, bon, ok. On dans la voiture, on part. Et tu sais, tu prépares de la discussion. Tu vois, tu prépares. Tu montres un peu ta culture générale. Tu vois, non? Tu parles de choses un peu sophistiquées. Mais quand j'en parle, c'est-à-dire, c'est comme si je parle, ça dépasse sa tête, quoi. Donc, je dois redescendre. Je reste au niveau. Je dis, ah, bon, ok. On arrive au resto.
Donc on s'assied, on parle, on change, puis on nous sert. Hein? La manière dont elle a attaqué le burger là. Oh! Tel un lion qui se jette sur sa proie! Je dis, mais bon sang, il y a quand même des McDo à Bruxelles. Il y a des... il y a des fast-food là-bas quand même. C'est pas à Kinshasa que tu vas reconnaître le burger quand même. Oh! Bon. Et puis après, coup de grâce. Nous sert le milkshake. Donc il y a le milkshake. J'essaye de garder là. Et puis il y a le milkshake. Et puis à un moment donné, je suis en train de lui parler. Et je vais aller. Et tu parles, et puis moi je m'arrête. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et puis, je ne sais pas s'il y avait un cheveu ou quelque chose dans son milkshake. Et puis, non, il y a un cheveu. Un truc. J'ai dit, ah bon? Alors moi, tu sais, je vais faire genre, mais qu'est-ce qui se passe? On a un cheveu dans le milkshake, c'est intolérable, tu vois, je veux y aller. Et puis, non, c'est pas grave. Puis elle prend avec sa paille, elle prend, et puis elle tape à côté. Toc. Et puis elle reprend. Time out, game over. Game over. Et pour entrer dans la voiture, je te ramène chez ta maman. Next. Tu vois, des fois, le manque de préparation. Le manque de préparation. Bon, tu vois ça. Quand tu viens, tu viens et qu'il n'y a pas cette préparation, c'est-à-dire, le Seigneur, il n'y a pas cette attente, il n'y a pas cette expectative. Donc, même s'il voulait déverser, même s'il voulait faire, dire, en fait, t'es pas vraiment venu pour moi. Ou ton cœur n'y est pas véritablement. Donc, pas étonnant qu'à ce moment-là, les paroles qu'il te donne, ça te dépasse. Tu vois? Les choses qu'il veut faire, ça te dépasse. Et tout à coup, tu prends soit pour acquis, ou bien tu banalises au fait ce qu'il te donne. Parce qu'il est sa parole. Tu ne peux pas le dissocier avec sa parole. Donc tu comprends que s'il est sa parole, c'est d'abord une question de savoir à qui est-ce que je rends le culte. Et dans quelle attitude de cœur. Alors je termine en disant ceci. C'est de te poser la véritable question, donc, c'est de savoir quel est le culte que je rends à Dieu ou pas. Il faut être humble. Dans mon église, quelle est la qualité du culte que je lui donne, si véritablement je lui rends un culte. Et donc ça t'emmène à te poser la question, as-tu la conscience au fait de Dieu quand tu viens à l'église? As-tu cette conscience-là? Parce qu'on peut venir à l'église mais être conscient de beaucoup d'autres choses. On va être conscient de soi-même ou des autres. Conscient de soi-même, c'est-à-dire on vient à l'église et bon, je ne suis pas d'humeur, je ne suis pas de bonne humeur. Pourquoi tu es à l'église? Parce que c'est dimanche, voilà. Mais sinon, je ne suis pas de bonne humeur, quoi. Pas de bonne humeur. Donc tu viens et tu lui donnes rien. Pourquoi? Tu n'es pas d'humeur. Donc comme je ne suis pas d'humeur, je ne chante pas. Je ne suis pas d'humeur, je ne lève pas les mains. Je ne suis pas d'humeur, je ne loue pas. Je ne suis pas d'humeur. Ou bien pire, je suis fâché contre Dieu. Depuis le temps, je prie là, il ne répond pas. Il ne répond pas à mes prières. Et puis maintenant, je vais venir prier, lever les mains et tout. Nous t'élevons. Non. Tu connais ma situation, tu connaissais ma situation. Et tu boudes au fait. Tu es en mode boudage. Bouderie. Tu as ton usine de bouderie. Tu produis de la bouderie. Tu boudes. Ton humeur, tu es beaucoup plus conscient de toi-même, plus conscient de ce que tu ressens, plus conscient de tes sentiments. Et lorsque la parole de Dieu dit dans Hébreux de lui offrir des sacrifices ou dans Psaume, des sacrifices de louange, je dis, ni sacrifice, ni louange. Niet. Je ne donne rien, je ne fais rien monter. Tu es tellement conscient de toi-même, tellement conscient de ta situation. Donc au fait, tu n'es pas venu lui rendre un culte. Tu es venu comme on vient au restaurant. Tu as regardé la carte. Tu n'as pas trouvé ce qui t'intéresse. Donc tu dises vivement qu'il termine et que je m'en aille. Soit on est conscient de soi-même, ou bien on est conscient des autres, ou bien on est conscient de l'environnement. C'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup papillonnent d'église en église.
Il y a quelqu'un qui est venu ici, qui s'est arrêté ici. Mais au fait, tu t'es arrêté, mais tu as posé valise, mais tu n'as pas déballé valise. Tu t'es arrêté parce qu'en tout cas, pour le moment, les chaises rouges, là, c'est confortable. La clim, là, ouais, ça me va. Puis l'environnement, j'aime bien. C'est bien, mais au fait, tu ne viens pas pour ça. Tu ne viens pas pour ça. J'ai vu une image où c'était, je crois que de mémoire, c'est dans les Philippines. Une église où il y avait juste la tôle et les bambous et il pleuvait. Et tu vois l'église, donc ils ont leur banc en bois. Et tu vois l'église, les pieds dans l'eau, l'eau jusqu'aux genoux. Mais en plein culte, en train d'adorer. Amen. Là, franchement, j'ai vu cette image, j'ai eu mal moi-même. Mal pourquoi? Parce que je me suis dit, moi, est-ce que dans leur situation, qu'est-ce que je n'ai pas à me plaindre? Je ne vais pas dire, ah, mais Seigneur, pourquoi? Ah, c'est... Non, ils savent qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Offrir un culte à Dieu. Ce n'est pas une question de circonstance. Je suis venu offrir un culte à Dieu. Oui. Alors, tu comprends? Quand c'est comme cela, et quand tu arrives, et que par exemple, l'accueil te dit, ah non, mettez-vous ici. Ah non, moi, je vais mettre là-bas. Ah, maintenant, je suis ici. Ah, je boude. Tu sais, tu as oublié pourquoi tu es venu, tu vois, pour rendre un culte à Dieu. Ou bien encore, oh, il n'y a plus de place à l'auditorium. On te fait monter. Ah non, si c'est comme ça, ah, je boude. Ou bien je vais partir. C'est que tu n'as pas compris. Toi, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont dans les salles annexes ou bien dans le couloir et qui véritablement lèvent les mains, adorent Dieu, rendent un culte. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais. Ah ouais. Qu'on me mette devant, qu'on me mette derrière, qu'on me mette en haut, qu'on me mette... Je suis venu rendre un culte à Dieu. Un culte à Dieu. Ah, si c'est comme ça, je ne viens plus. Écoute, on fait l'effort parce que c'est ce qu'on veut, on veut faire et on le fait. Et on veut le faire encore mieux. On fait l'effort de créer un meilleur cadre de confort. Là, par la grâce de Dieu, on fera en sorte d'ailleurs qu'il n'y ait plus de personnes dans le couloir, en tout cas, dans le couloir, et qu'on puisse avoir une autre salle plus confortable, qu'il n'y ait plus personne dans le couloir. Par la grâce de Dieu, ça se fera assez rapidement. Mais quoi qu'il en soit, gloire à Dieu pour le confort qu'il nous donne. Mais ce n'est pas ça qui conditionne notre culte. Ce n'est pas ça. Si on doit conditionner le culte qu'on donne à Dieu sur la base du confort, c'est qu'on est passé à côté. Est-ce que tu me suis? Ou bien, la dernière chose, on est alors le plus conscient, et je termine avec ça, soit on est conscient de soi-même ou des autres, soit c'est la notion de l'environnement, ou bien alors, on est beaucoup plus conscient du pasteur. On est beaucoup plus conscient de l'homme de Dieu que du Dieu de l'homme. Alors c'est-à-dire que quand on arrive, à quoi tu le sais? Mais c'est quand tu arrives et puis tu te dis, bon d'abord c'est, qui va prêcher aujourd'hui? Dès que tu te poses cette question-là, tu sais que tu viens de manquer le but. Parce que tu ne discernes pas que lorsque tu viens, ce n'est pas pour écouter un homme, mais pour écouter Dieu. Au travers de la personne qui s'est choisie ce jour-là. Et donc là, ce n'est plus une question de préférence. Ah, si le pasteur te dit, ah d'accord. Ah, si c'est pasteur un tel, non, je ne vais pas. Ah, si c'est frère un tel, ah, je ne vais pas. Ah, non, donc je veux. Ah, et tu commences à faire ton choix. Tu comprends l'histoire du restaurant? Pourquoi le Seigneur m'a dit que beaucoup viennent, mais avec la mentalité du restaurant? Tu n'arrives plus à discerner. Quand tu viens, tu n'arrives plus à discerner au fait que c'est Dieu que tu es venu adorer. Que c'est lui, à lui, que tu es venu rendre un culte. Donc, tu vas être plus conscient du pasteur. D'autres, alors, non, pas toi, en tout cas pas toi, mais quelqu'un qui n'est pas venu aujourd'hui, il va dire, quelle sera la couleur de son costume aujourd'hui? Il faudrait qu'il nous fasse fluo un jour, juste pour voir. Fuchsia! Et quand tu as la pensée de dire, ok, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? De quoi va-t-il parler? Ça dénote que tu n'as pas compris, ou tu n'as pas saisi, ou tu as simplement oublié que ce n'est pas le pasteur qui vient parler de ce qu'il a envie de dire, mais que tu viens pour entendre Dieu. Et quand tu es dans la préparation par rapport au culte et que tu as cette conscience-là, tu sais ce que ça t'emmène à faire. Dans ta préparation, tu pries pour le déroulé du culte. Dans ta préparation, tu pries pour chaque intervenant au niveau du culte. Tu pries pour la personne qui va apporter la parole en disant, Seigneur, j'ai tant besoin de te rencontrer. J'ai envie de te rencontrer. Je veux aller dans ta présence. Je prie, Seigneur, pour la personne qui va diriger le temps de louange et d'adoration, qui soit inspirée, qui nous emmène véritablement devant toi, Père, parce que c'est toi que nous voulons. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Nous sommes venus en ce jour, comme ils l'ont chanté tout à l'heure, je viens dans ta maison afin de te rencontrer, parce que c'est ça le but. Je viens dans ta maison pour te rencontrer. Alors, Seigneur, je prie afin, parce que tu vois, ce n'est pas une
question d'être star, d'être pasteur et autres pour prier de cette manière-là. Non, parce que nous donnons tous un culte à Dieu. Il n'y a pas de spectateurs et des acteurs. Personne n'est là ici pour voir le show du pasteur, pour voir le show par rapport au groupe de louanges. Nous sommes tous, toi et moi, acteurs, en train de lui donner un culte qui lui soit agréable. Alors ça t'emmène à dire, Seigneur, je suis venu pour te rencontrer. Je suis venu, Seigneur, pour te contempler. Je suis venu, Seigneur, parce que je veux t'écouter. Seigneur, je prie que tu puisses inspirer le pasteur, inspirer le prédicateur du jour. Fais en sorte qu'il n'ait pas à dire des choses qui viennent de son âme, de sa chair, mais Seigneur, que sa chair se taise, mais que tout ce qu'il dit soit inspiré par toi. Prends-le, conduis le Saint-Esprit, maîtrise-le de telle manière à ce que nous recevions les oracles divins que tu avais prévus pour nous en cette journée, afin que nous ressortions d'ici en étant totalement préparés, totalement aguerris, totalement restaurés. Et lorsque tu pries de cette manière, tu es en train de démontrer à Dieu que tu viens avec une attente de le voir, de le contempler, de l'adorer et de l'écouter. Et là, forcément, peu importe la personne qui est ici, quand tu arrives, tu es en mode réception. Parce que tu discernes le roi invisible qui est en train de parler derrière la personne visible. Et là, tu as démontré à Dieu que je viens, Seigneur, c'est pour te rendre un culte. Et là, la question de manger à la maison ne se pose plus. Parce que tu vas forcément valoriser la parole que tu as reçue parce que tu es venu rencontrer Dieu. Et on ne laisse pas tomber les paroles du roi à terre. Et là, la question ne se posera plus. Parce que la question en amont, c'est celle-là. À qui d'abord est-ce que tu rends culte à Dieu dans ton église? À qui est-ce que tu rends culte dans ton église? Est-ce à Dieu ou pas? Dis-moi un bon amen. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. On va se lever. Alléluia. Tu peux lever la voix et en toute humilité et en toute simplicité de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, de ta grâce, de ta main, que je sois trouvé par ta grâce, Seigneur, celui qui à chaque instant, mais déjà commencé par le dimanche, celui qui véritablement fait monter un culte vers toi. Je ne veux pas être de ceux-là qui viennent à l'église par tradition. Ce n'est pas une question de tradition, non. C'est de venir t'offrir un culte. Et le culte, c'est pour toi, Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Parle-lui. Pour quelqu'un, c'est un encouragement à aller encore plus loin dans le culte que tu rends continuellement à Dieu. Pour quelqu'un d'autre, c'est une invitation à venir remettre de l'ordre ou à reconsidérer certaines choses. Tu sais, la notion de tradition est vite arrivée. La tradition est vite arrivée. À force de faire les choses d'une certaine manière, on en arrive à faire les choses de manière automatique et d'en oublier le but réel, la raison principale pour laquelle nous nous réunissons dimanche après dimanche. Ce n'est pas par tradition, c'est pour le rencontrer, c'est pour l'entendre, c'est pour le voir. C'est pour l'entendre, c'est pour le voir. Alléluia, élève ta voix. Il est présent et il t'écoute. Oublie le pasteur, oublie ton voisin un instant pour quelques minutes. Adresse-toi à lui. Dis-lui, Seigneur, je veux qu'à chaque instant, à chaque fois que je me présente devant toi, que je sois de service ou pas, que je te serve dans la maison ou pas. Non, Seigneur, je veux venir, dis-lui, pour te contempler. D'abord pour te rencontrer, pour te contempler et Seigneur pour t'écouter. Je vais venir pour te rencontrer, à chaque fois te rencontrer, pour te contempler, pour t'adorer et Seigneur pour t'écouter. C'est là le culte raisonnable, le culte qui t'est raisonnable. Alléluia. Mararaba saikorobo shata. Ayananana mayande de debo sayadaba. Oh, répands ton cœur. Il y a une qualité de culte, une qualité nouvelle de culte que le Seigneur veut établir avec toi. Il veut t'emmener.
t'emmener plus loin avec lui, t'emmener plus loin. Shadarabo, bakarabo, sata, marerebo, sayadaba, sayadaba, shayadaba, babarabo, sadaba, bakaita, madaraba, baba, saikote, oh yarebo, sodoborobo, sayana, mama, shayadebrebe, sadaba, sata, yereba, emmène-moi. Emmène-moi plus loin, plus loin avec toi. Je désire te voir. Je désire te voir. Emmène-moi plus loin avec toi. Je désire te voir. Je désire. C'est une prière, c'est un soupir. Pour quelqu'un, c'est une prière qui monte vraiment du cœur. Emmène-moi. Je refuse, Seigneur, d'être trouvé dans la tradition. Je refuse, Seigneur, d'être trouvé dans la tradition. Je désire. Chaque dimanche. Pas que le dimanche, Seigneur, mais chaque jour. Mais déjà le dimanche. Déjà lorsque nous nous retrouvons dans ta maison, déjà lorsque nous nous retrouvons dimanche après dimanche, je refuse la tradition, je refuse les préceptes humains. Si tu m'as planté ici, si tu m'as appelé ici, je veux se voir, je veux t'y voir, je veux t'y rencontrer, emmène-moi. Je désire te voir. Je désire. Que cela soit une prière, emmène-moi plus loin avec toi, dans ton intimité, dans ta révélation, que mes yeux te voient, les yeux de mon esprit, emmène-moi, toi seul peux le faire, toi seul es capable de le faire, oui, notre désir, celui de te voir. Nous refusons de tomber dans la tradition, de tomber dans les préceptes humains. Père, nous reconnaissons que ce n'est pas par notre propre force, mais notre désir y est. Nous avons la volonté, c'est la notion de la repentance, le don que tu nous donnes. De dire, Seigneur, nous voulons faire partie de cela lorsque nous venons t'y casser. Il s'agit de te rendre un culte à toi, non pas à un homme, non pas à nous-mêmes, non pas à l'église, mais à toi et à toi seul. Fais-nous grâce de te discerner. Fais-nous grâce, Seigneur, de te rencontrer. Fais-nous grâce, Seigneur, de te contempler. Fais-nous grâce, Seigneur, de t'écouter. Raison pour laquelle toi, le bon berger, nous mets dans les bergeries selon ton bon vouloir afin de t'y rencontrer et afin d'y être transformé de gloire en gloire à ton image. Seigneur, fais-le dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, cette crainte, cet amour, cette révérence qui consiste à te donner le culte à toi. Que nous ne soyons pas trouvés, que nous ne soyons plus trouvés parmi ceux-là qui viennent simplement se servir comme dans un restaurant au choix de la carte. Non, Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être totalement soumis à toi et de recevoir ce qui vient de toi, de recevoir ce que toi, tu prévois pour nous et d'en être transformés, complètement changés. Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, c'est notre prière. Donne-nous de te voir. Donne-nous de te discerner. Donne-nous de te contempler, de t'aimer. Donne-nous de t'adorer. Seigneur, fais-le dans nos vies. Toi seul es capable de le faire. Emmène l'Église dans une dimension nouvelle de culte. Dans une dimension nouvelle de culte. Où à chaque fin de culte, nous ne posions plus la question de savoir est-ce que nous sommes contents. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le baromètre. Mais de savoir si ton cœur se réjouit.
si ton cœur se réjouit. Car comme pouvait le dire Néhémie, la joie du Seigneur est ma force. Que cela soit le partage de ton église. Que cela soit le partage de ton église. Les yeux fermés, reste dans la position où tu es. Baisse les mains, mais reste dans la position où tu es. Si tu es debout, assis, reste dans la position où tu es. Les yeux fermés, avant que je ne rentre le micro. Venir à l'église, c'est bien. Mais au fait, si tu es là, le but, c'est de le rencontrer, lui. Parce que l'église ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Le catéchisme ne sauve pas. Les évangéliques ne sauvent pas. Les protestants, les catholiques, les baptistes, méthodistes ne sauvent pas. Il n'y en a qu'un seul qui sauve. Et c'est Jésus. La vie avec Dieu, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de philosophie. C'est une personne, c'est Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il s'agit de le rencontrer et il veut te rencontrer aujourd'hui. Tu n'es pas arrivé cet après-midi par hasard dans cette église. Les yeux fermés, la tête baissée, tu es ici dans la salle annexe, dans le couloir. Tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Il n'attend pas de toi que tu deviennes parfait, c'est lui qui te rend parfait. Il n'attend pas de toi que tu deviennes une bonne personne, c'est lui qui fait de toi une bonne personne. Mais ce qu'il demande, c'est ton cœur. Il recherche ton cœur. Ta vie lui est précieuse. Ta vie lui est précieuse. Et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous avons tous les yeux fermés, la tête baissée. Mais si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Mais aujourd'hui, tu dis, pasteur, je n'ai peut-être pas tout compris. Je te rassure, moi non plus, je n'ai pas toujours tout compris. Mais tu dis, pasteur, je n'ai pas tout compris, mais je ressens dans le cœur, je sais, il faut que je remette ma vie en ordre. Il faut que je revienne à Jésus. Il faut que je donne ma vie à Dieu. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu n'as jamais fait cette prière et tu veux faire cette prière et tu veux que je prie pour toi. Lève la main là où tu es, je vais prier avec toi. Lève la main simplement. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je vois des mains qui se lèvent. Gardez la main levée, gardez la main levée. Que le Seigneur bénisse, je vois des mains, plus en plus de mains qui se lèvent. Dans la salle annexe aussi, dans le couloir, nous avons les yeux fermés. Mais dans la salle annexe, dans le couloir, si c'est ton cas, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Aujourd'hui est ton moment. C'est ton moment. C'est Dieu qui le fait, c'est pas toi. C'est lui qui le fait en toi. On l'a tous fait. Je l'ai fait et c'est lui qui m'a transformé. Et il va faire de même et encore mieux, plus avec toi. Amen. Nous gardons les yeux fermés. Je demande un dernier effort. Vous qui avez levé la main, restez debout ou bien mettez-vous debout si vous avez levé la main. Les autres, asseyez-vous. Nous gardons les yeux fermés. Mais je vais prier pour tous ceux qui ont levé la main. Si tu as levé la main, reste debout ou bien mets-toi debout et je vais prier avec toi. Dans les salles annexes aussi, je vais prier avec vous. Cette décision est importante, elle est capitale. Que le Seigneur vous bénisse à vous tous. Vous êtes nombreux et qu'il vous bénisse. C'est une décision qui est capitale et qui est importante. Il y avait un avant, il y aura un après. À vous tous qui êtes debout, vous allez mettre la main sur le cœur et vous allez faire cette prière après moi. Faites cette prière après moi et du plus profond de votre cœur. Et tout le monde va vous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Je ne me cache plus. Me voici devant toi. Purifie-moi. Transforme-moi. Je me donne à toi. Je dis non à la vie du péché. Et je dis oui à ta vie. Dans ta grâce. Je te dis merci, Jésus. Parce que aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, je t'appartiens. Que ma vie te glorifie. Fais-moi grâce, Seigneur, de marcher avec toi. Fais-moi grâce de demeurer attaché à toi. Je t'aime, Seigneur. Ok, restez debout. Je vais prier pour vous. Et vous qui êtes autour, tendez les mains vers nos bien-aimés. Vous qui êtes autour, on va prier ensemble. On va les recommander à la grâce de Dieu. On va prier ensemble. Prions ensemble. Seigneur, alléluia. Élevons la voix. Father God, thank you. Père, merci. Merci pour le renouveau. Merci, Seigneur, pour le changement. Merci, Seigneur, pour la transformation. Pour la transformation totale. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Alléluia. Shadada biadabosa. Alléluia. Élève ta voix. Encore 30 secondes. Il y a un tel amour, il y a un tel amour, et il y a une telle joie en même temps. Il y a un amour, il y a une joie en même temps dans le royaume. Alléluia, alléluia. Father God, thank you.
Oh, alléluia, 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 alléluia. Seigneur, merci. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Dans le nom de Jésus, ils sont à toi. Nous les recommandons à ta grâce et à ta grâce seule. Ce que tu as commencé, tu es juste et fidèle pour l'achever parfaitement. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Ah, gloire à Dieu, vous qui êtes autour, saluez nos bien-aimés, saluez nos bien-aimés. Dites-leur bienvenue, bienvenue, emmène-moi. Dites-leur bienvenue. Oh, saluez-leur, dites-leur bienvenue, dites-leur bienvenue. Dites-leur bienvenue dans le royaume. Je me désire. Oh, oh.